Bonjour à tous, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus viennent tout juste d'arriver à la maison. Ils sont là-bas, juste derrière. Et bien sûr, ils auront tous les deux droit à un test complet. Mais en attendant, on va déjà démarrer avec une prise en main. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Alors cette année, elle est un petit peu spéciale pour Samsung. En début d'année, le constructeur a dévoilé pas moins de 3 nouveaux flagships. En plus du Galaxy S10 et du Galaxy S10 Plus, on a eu droit à un Galaxy S10e avec un format beaucoup plus compact et du coup, beaucoup plus maniable. Et finalement, le constructeur a répété un peu l'opération avec sa nouvelle phablette haut de gamme. Une phablette qui se décline cette fois-ci en deux modèles distincts. On a le Galaxy Note 10 d'un côté et le Galaxy Note 10 Plus de l'autre. Alors là, vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux modèles? Eh bien, concrètement, la principale différence a trait à la taille, mais ça, on va en parler juste après. Pour l'instant, on va déjà ouvrir le bal en déballant les deux boîtes et en voyant ce qu'elles renferment. Alors du coup, Samsung s'est montré plutôt généreux avec les accessoires, mais ce n'est sans doute pas ce qui vous intéresse. Vous, ce que vous voulez, c'est voir le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus. Et justement, le moment est venu de nous intéresser à leur design et à leur ergonomie. Les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus se ressemblent énormément.
Ils héritent tous les deux d'un boîtier composé de deux plaques en verre incurvées, avec une charnière en métal et des lignes taillées à la serpe. Attention cependant, car ce ne sont pas non plus de simples copies du précédent modèle. Samsung a en effet été encore plus loin en réduisant le poids de ses terminaux et en leur donnant un aspect un peu plus aérien. La principale différence entre les deux téléphones vient bien entendu de leur format. Le Note 10 est le plus compact des deux et son écran atteint ainsi les 6,3 pouces de diagonale. La version Plus monte pour sa part à 6,8 pouces. Alors à la base, si on regarde uniquement les chiffres, on se dit que le Note 10 et le Note 10 Plus sont très proches l'un de l'autre. Après tout, 0,5 pouces de différence sur une diagonale, ce n'est pas énorme. Mais c'est complètement faux et en réalité, il suffit de prendre les deux téléphones en main pour réaliser qu'il ne joue pas du tout dans la même catégorie. Pour moi, clairement, le Note 10 Plus se focalise sur un usage de type multimédia. Et ça, cette impression, elle est renforcée par l'excellente définition de sa dalle qui atteint le QHD+. À titre de comparaison, le Note 10, lui, se contente d'un écran de type Full HD+. On aura bien entendu l'occasion d'en reparler dans le test, mais il faut bien garder à l'esprit que ces deux téléphones visent tous les deux un usage très différent. L'écran est en tout cas immense et cette impression est bien entendu renforcée par le fait que la dalle est presque dénuée de bordure. Encore une fois, Samsung a poussé le concept très loin et bien plus qu'avec le Galaxy S10 et le Galaxy S10+. Et forcément, le constructeur a été du coup obligé de déplacer la caméra frontale pour l'intégrer directement à la dalle. En revanche, le trou n'est plus placé dans le coin supérieur droit, mais au milieu de la partie haute de l'écran. Esthétiquement, c'est plus réussi, mais cela veut aussi dire que le poinçon risque d'attirer un peu plus le regard. Mais là encore, on en reparlera dans le test. Contrairement au Galaxy S10 et au Galaxy S10+, les Note 10 héritent de la même caméra frontale. Le constructeur a donc laissé tomber la double caméra du S10+. L'ergonomie est très conventionnelle. Les deux boutons du volume sont placés sur la tranche gauche, au-dessus du bouton de mise sous tension. Et oui, car Samsung a tiré un trait sur le bouton dédié à Bixby, ce qui ne dérangera sans doute personne. L'autre nouveauté, du moins sur le plan du design, a trait au module photo arrière. Il n'est plus placé sur un axe horizontal mais vertical. Les optiques et les capteurs sont donc empilés les uns sur les autres. En outre, la pièce a été déplacée dans le coin supérieur gauche de la plaque, à l'instar de ce que proposent certains constructeurs concurrents. Elle dépasse toujours de quelques millimètres, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment gênant. À fond importante, le Galaxy Note 10 Plus va un tout petit peu plus loin que son camarade. En plus des trois optiques et des trois capteurs principaux, il intègre un capteur ToF. Il devrait donc être en mesure de mieux lire la profondeur de champ des scènes photographiées. Il faudra en revanche voir à l'usage si cela change réellement quelque chose. Le S Pen ne change pas de place ni d'allure. Son logement se trouve toujours sur la tranche inférieure, non loin du connecteur USB-C et de la grille du haut-parleur. L'accessoire semble toujours aussi pratique. Il est également très léger en main. Les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus font tous les deux l'impasse sur la prise casque. Cela ne fera sans doute pas plaisir aux mélomanes, mais il est très difficile d'être surpris par ce choix. Le connecteur tend en effet de plus en plus à disparaître au fil des années. Alors je ne vais pas vous mentir, mon excursion à Amsterdam au début du mois pour découvrir les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus m'avait laissé un peu comme un goût d'inachevé. Clairement, une prise en main d'une heure et demie pour découvrir des téléphones aussi complexes que les nouvelles phablettes de Samsung, ce n'est pas suffisant. Et du coup, j'avais eu un petit pincement au cœur en repartant d'Amsterdam et en laissant donc ces deux téléphones derrière moi. Mais fort heureusement, là pour le coup, je vais avoir un petit peu plus de temps pour les tester et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Par contre, je vous préviens tout de suite, le test ne sera pas mis en ligne dans la semaine. Je vais prendre le temps, je vais vraiment tester à fond ces deux téléphones avant de vous en parler et avant de vous dire ce que j'en pense. Et tout comme pour les Galaxy S10, le test portera simultanément sur les deux modèles, ce qui nous permettra de les comparer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors je sais qu'elle est très courte, mais là je voulais vraiment pouvoir déballer les téléphones avec vous. Je voulais pouvoir vous les montrer. Et voilà, il a fallu tourner très très vite là, pour tout vous dire. En fait, le coursier vient de passer et la vidéo a été tournée dans l'heure. Voilà, c'était très très rapide. Le montage va se faire aussi dans la foulée. Tout ça pour que je puisse mettre en ligne la vidéo ce soir ou samedi au plus tard. En tout cas, si vous avez aimé cette prise en main, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et pour le reste, eh bien, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao !